Radar, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se... Pour continuer notre tour de chauffe à Koumba, Diallo, on parle du Hajj cette année. Le tarif augmente, c'est à 60 millions. Par an à la Mecque, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. À moins qu'on ne soit au trésor public. Ça passe de combien à combien? Attendez, à moins qu'on ne soit au trésor public. Et là aussi, on serait obligé de fuir avant de pouvoir envoyer nos papas et nos mamans à la Mecque. Puisqu'actuellement, beaucoup de cadres ont fui à travers les différents services du pays. Alors, pour être sérieux, cette année, le secrétariat général aux affaires religieuses annonce que la Guinée a la possibilité d'envoyer 4527 pèlerins au lieu saint de l'islam, donc la Mecque et probablement Médine. Et que, en tout cas pour ce qui concerne les Guinéens, pour espérer y être, la première des conditions, il faut avoir 60 millions de francs guinéens à payer. J'aimerais bien que Kaba ou Emmanuel me disent que c'est combien en dollars ou en euros. 6 000 euros. Mais ça fait même pas 6 000. Pour y aller aussi, nous qui avons des vieux grands-parents très âgés, on est déconseillé de les inscrire parce qu'il faut avoir au maximum 65 ans. Ouais. Inutile de vous dire d'être bien portant. Alors, premièrement, pour que vous soyez inscrit, il faut que vous payiez d'abord ce montant, ces frais, donc les 60 millions. Normalement, dans les livres de la Banque centrale ou dans ses agences. Et puis, avant de verser, il faut que vous ayez une autorisation de versement. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez la note de l'agence ou en tout cas de la structure gouvernementale qui vous amène et que les inscriptions pour le Hajj de cette année débutent le 30 mai prochain. Et se clôtureront selon le communiqué, en tout cas les directives du secrétariat général du gouvernement, se clôtureront donc le 8 juin 2022, auprès soit du secrétariat général aux affaires religieuses ou de ses démembrements à travers le pays. Il y a aussi le fait que vous devez vous faire établir un passeport biométrique valide et ayant une durée restante de moins de 6 mois pour que vous puissiez vous faire inscrire. Et que pour cela, il y a un service qui en est dédié au niveau du centre islamique de Donka pour vous faciliter certainement les formalités. Et puis, il faut se faire établir aussi un certificat d'aptitude médicale délivré soit par le CHI de Donka, à l'hôpital national Ignace Dine ou dans les hôpitaux régionaux et préfectoraux du pays et puis disposer de la carte de vaccination contre la COVID. Il me paraît que c'est la Johnson qui est très recommandée pour les pèlerins. D'accord. Et de la fièvre jaune. Il y a enfin la cinquième condition, apporter 6 photos sur fond blanc, la photocopie de la carte nationale d'identité. Je pense que certains pèlerins vont souffrir. Je ne souhaite pas qu'ils soient recalés à cause de cette carte d'identité nationale parce que vous connaissez toute la tracasserie autour. Et puis fournir 2 numéros de téléphone, certainement, ce sont des numéros d'urgence. Nous avons démontré hier que dans le processus de pèlerinage, la souffrance est une promesse. Bonne chance à nos candidats. Et bonne chance, évidemment. C'est quand même, pour ceux qui... Bon, oui. C'est quand même extraordinaire parce que, si je me rappelle, le Hajj 2019, le tarif, c'était autour de 47 millions. Peut-être qu'on peut dire qu'il y a une marge de 43, exactement. 13 millions ou 17 millions d'augmentation. Oui, 43. En tout cas, c'était, ça n'atteignait pas 50 millions. Qu'est-ce qui explique ce bond spectaculaire des tarifs dont de 40 et quelques à 60 millions. Le coût de l'aviation. Alors, le coût des billets. Oui, le coût de l'aviation. Parce que depuis Covid, vous devez savoir que les compagnies aériennes, très bien. Le monde de l'aviation a subi un coût. Très bien. Et donc, ça a flambé les frais. Donc, je pense qu'il y a toute cette réalité. À côté, il y en a qui soulignent quand même qu'il y a une certaine stabilité aussi du franc guinéen par rapport aux devises internationales. Aujourd'hui, on se pose des questions parce que finalement, vous allez renoncer à aller à la Mecque. En tout cas, pour ceux qui ont
et une bourse intermédiaire. Bon, voyez-vous, 60 millions, ça représente les yeux de la tête. Je pense que ça a toujours été comme ça. Hein. Non, ça n'a jamais été comme ça. Écoutez, à l'époque, c'est un tarif qui n'est pas sincère. Et moi, je me demande... Pourquoi vous vous êtes donné, regardez les paramètres. J'ai suivi le compte rendu du conseil. Vous avez une agence de voyage? Mouhouri, j'ai suivi le compte rendu du conseil des ministres d'hier. Par exemple, on disait que le président s'est préoccupé de l'organisation du Hajj. Mais on ne peut pas se préoccuper du Hajj et faire une augmentation. Vous voulez qu'on subventionne le Hajj? Pourquoi pas? Pourquoi si c'est possible, pourquoi pas? Et pourquoi on ne subventionne pas ceux qui vont à Boufa? Non, vous ne savez pas. Non, le gouvernement. Ceux qui vont en Italie sont subventionnés. Non, pour les pèlerins en Italie, tu ne sais pas. À Rome, à Rome, souvent, on doit subventionner le Hajj. On donne des biens. Non. Parce que je sais, on donne des biens. Non. C'est ce que j'apprends. Emmanuel, tu n'es jamais allé à Rome. Écoutez, tu n'es même pas allé à Boufa. Je ne suis pas. Voilà. Je ne suis pas un imam. Je ne suis pas un imam. Tu es le pèlerinage chrétien. S'il te plaît, tu n'aimes pas la bouffe. Par l'État, ce n'est pas subventionné. Je ne suis pas un imam. On peut pas subventionner le Hajj. Je ne suis pas un imam, mais Dieu dit au moins que c'est quand tu as les moyens que tu peux partir. Le Hajj n'a jamais, ça n'a jamais été à la portée de tout le monde. De tout le monde. Et puis, quand sous compté, c'est un luxe. Si c'était 20 millions, sachez qu'à l'époque où c'était 20 millions, ou c'était 25 millions, ou 30 millions, en fait, ce montant avait ses réalités. Si l'année dernière c'était 45 millions, il y avait les réalités du moment. Il faut savoir qu'à chaque année, ça va augmenter parce que la vie devient de plus en plus chère. Donc, je ne sais pas comment les gens peuvent s'étonner à dépasser la limite. On peut dire oui, ça a monté et c'est difficile. Mais comme si c'était, je ne sais pas, impossible, moi, je m'étonne aussi. Talibé. Je m'étonne. D'autant je sais qu'on veut tous envoyer quelqu'un à la Mecque. Oui, je m'étonne. Vous, Mamadou, d'autant que, justement, l'exercice auquel vous vous livrez là, en tirant par les cheveux des explications. On a droit à ces explications de la part du secrétaire général aux affaires religieuses. Tout bien. Qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il explique? L'augmentation. Oui, une augmentation de l'ordre de 15 millions par rapport au dernier rapport. On peut même peut-être décomposer. L'autre question. Décomposer dans ce communiqué. Pour expliquer, voilà ce qui explique. C'est l'avionneur qui demande plus. C'est cet aspect qui demande plus. Cette fois-ci, les pèlerins guinéens seront dans des hôtels plus proches. Justement, du lieu du pèlerinage bien. Que par le passé. C'est ça. Toutes ces explications, on y a droit. Mais on nous balance 60 millions comme ça, bon an mal an, et on nous dit que le colonel est préoccupé par l'organisation du Hajj. Au Mali, ça va augmenter. En Côte d'Ivoire, ça va augmenter. En Gambie, ça va augmenter. En France, ça va augmenter. Oui, mais là-bas, c'est universel. Peut-être qu'on aura on respectera les Maliens, bien. Les Gambiens, on les respectera. Moi, j'avais jamais l'idée d'aller au Mali. On va s'étaler là-dessus, mais le temps d'observer cette première pause, nous nous retrouverons.